travailler autrement, de manière plus transversale, moins en silo, de pouvoir aussi avoir des études d'impact plus importantes sur des aménagements plus pérennes. Et puis, des diagnostics qui nous permettent aussi de cibler des populations avec des besoins spécifiques, qui à la fois se retrouvent au niveau national, mais qui à la fois peuvent être attrapés de manière plus locale sur des démarches plus pérennes et plus en proximité, en fait.